infondo. O ana mutindo biso bambonzo toko limbola nkombo na infondo. Infondo mobimba utawa te jusqu'à bakandi. Mo na kati na infondo watu zake na biteni na biteni na biteni na biteni na biteni biteni banda. Toko na pesi binono kati na ngai infondo bona. O zake teni mo abato afanda kina mo andamu na bango. Bazui nkombo na bango bona. Famille na famille so iba fa ina mboka wana papesi mo akoma ba yaki awa ni mfondo izaki ba mindele oyo batangami ba ngambo awa bakangami na ngambo kuna bato ni mfondo bakute bato bazalaki akoma susu na yebi angote. Balobi bani komona mundele awate. Poso pemba na bango bayeba ki yangote. Balobi tokwe komona mundele awate. Me bato ango bauta wapi. Pe bazako benga bango na nkombo mabenga. Bambenga teme mabenga. Puse bazali vraiment pembe. Pe suki milai. Ntango wana, ntango bakomi awa na esanga. Bato awa ba défendre balobi jamais moto akoko koto na mboka na bisote. La tibi lamba bokoko na makongo na bango na bambeli na bango balu mundele akokota te. Après ça ba mumpe wana ba sango wana toko bazaki bato baki ko négocier na bato koye la pona bato na maloba na nzambe ayi akome ba wale bitoye libino na etumbate. Toye libino na makambo ya malamu. Toye na makambo ya mabete. Toye pe ko boma bino te. Biso toye awa, pwete biso na bino tozo abo yokani. Toyokana, pwete biso to, to mesa na bino. Me tozali ko leka me, to lingete to kota na mboka na bino, to mo na mboka wana. Bango ba lobi jamais. Moto akoko kota, moto pembe, bwe biso te biete, ako kota na mboka na biso te. To boi. Baye na mwa biloko lokola Mungu a mwa bagobele ya kala ezalaki ya kala wana baye na ngo na mwa biloko ndenge na ndenge mwa ba savon mwa biloko na mutindo wana baye ko bimisa bango a couverture ya ki rouge alita to yeli bina biloko yo bolata poto moni bina ko zola taka ba poso na nzete ko peta nzete te mwa ezali poso na nzete to yeli bino na mwa biloko ya kitoko mpote bolongo la biloko wana bolata biloko to yeli bino na ngui donc ba couverture rouge ba pesi bango makabo wana ko pesa bango gratuit ezaki ya kosomba te ani te ba pesi bango bango pe ba sepeli ba sali bonde ko bale bon biso zana bino ni kamote bolu bwana mboka na biso se boni ko leka to boleki na bolo ko ba dubwa ki awa ni fondo ni na sima ayi ko zanzana bango ko la ba ki ko nana ko kende ni ko loli ko la date de création de site de fondo est beaucoup controversée parce que c'est très difficile qu'on puisse vous dire à quel moment Nfondo a été créé. Mais seulement vers 1887, il y a M. Albert Delizy qui, en remontant du bandit à son papier, s'est arrêté à Nfondo. Et c'est là qu'il a posé, si vous dire, peut-être la première pierre. C'est avec M. Desbordes en 1907 qu'on peut remonter à la création du district Nfondo ou du village Nfondo. En tant que district, il a subi beaucoup de temps. Il n'a pas été PCA, il a été une circonscription qui a fait partie depuis 1908 du département de la région, d'abord du Bas, du Bangui, ensuite de l'Ibenga, l'Ikwala, qui avait pour capitale Dongola. Ensuite, on l'a transféré avec la guerre qui a eu la révolte des peuples Kaka. Il y a eu une révolte qu'on a appelée Kogowa. Il y a eu une révolte en une certaine période, dans les années 24. Il y a eu une révolte. Et le district, le chef-lieu a été transféré à Nfondo. Ça a connu beaucoup de soubresauts tout le temps. On associe la circonscription du Bengal et Kuala avec la circonscription. L'Ibenga, Ubongi à Lima, ainsi de suite. Bref, le district Nfondo
a évolué de 1907 jusqu'à nos jours, toujours en changeant un peu sa physionomie, en étant à la fois chef-lieu de département d'abord, ou alors tout juste une circonscription. Donc c'est avec les indépendances que le district du Foundou est devenu réellement district du Foundou. Mais avant cela, dans les années 45, on avait déjà des chefs de district, on les appelait déjà les chefs de district, c'était des blancs encore à l'époque. Le dernier, c'était M. Dubois, qui a été remplacé par un Togolais en 1959. C'est un certain M. Banderas. C'est le premier noir à être chef de district et le dernier de la colonisation. Ensuite, avec l'avènement de l'indépendance, nous avons eu les chefs de district, en l'occurrence M. Siana Char, qui était le premier chef de district d'Ifoni. Le dernier sous-préfet actuel, c'est M. Ngambé. Mais la ville du Foundou compte 7 quartiers. Le quartier numéro 1, c'est le quartier Mungungi. Le 2, c'est Tolingana. Le 3, c'est Bakandi. Le 4, c'est Angolali. Le 5, c'est Tosangana. Le 6, c'est Boana. Et le 7, c'est Gambani. Voilà les 7 quartiers du Foundou. La population, nous prenons ici le recensement de 2011. La population est estimée à 33 411. Mama bongola motema e mama bongola motema e mama. Ça d'abord la samba et puis mina moki. Pourquoi me fait ma moyen transport à passer du côté na boîte de Tolima. Nous ok là na ba moyen de transport la boîte pour kumba musika zambe za to musika obimisa. Après luka ngoya ko koma ngwa ne Tolima. Mabéroye, dans la carte est en haut. Napela et envahi que le Tondio ne soit tout. Nana a quoi interpellé ministère, mais pas qu'un ministère. Bato Oyo, Bazali valide, Vedi Bato Ako Sepela. Namo Saloyo, Basungangai. Le ministère a dû partenité à Namo Salo. Projet Oyo, Ezali, opération. Un foyer, 10 palmés, une pressoir à huile. Il y a un moment où on a dit qu'il y a un monté pressoir à huile. Pourtant, on a dit qu'il y a un peu de salle à ma foutre en ville. Donc, n'importe qui, pour que permettre la population à produire huile dans les mocos. Bambi, là, on a monté un bambi là. Donc, ce qu'on y compte, on a un bambi là, on l'a mis, ce qu'on a mis 7 litres, on peut s'en avoir 1 litre. La machine a écrasé ma sango, voyage de maïs. On a salé un peu un éleveur, on a battu ça à l'autre. Meule, on a allé ciment, mélangé dans le sable, maintenant à Katiawa, et on a maïs, tout simplement pour que l'usure est dans la mouchette. Bon, on a allé, puis on a l'ingé, on a bien un peu plus. Et on a fait, on a activé le moteur, on a forgé, on a salé un peu
au sala ba cocotte, au sala ba gayo, au sala ba bounou, au sala ba sengo. Et les qui rejoint et les qui gaz. Et les qui fait la recherche pour moi. Oui, opérationnel. Déjà pour y être, tu m'as dit que c'est béni. Mama bongola mote ma o ma be yo 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 Aujourd'hui, j'ai fait un tour au grand marché. En tout cas, je m'arrêtais à l'aéroport. Là, le marché est super. Je fête la fête. 500 euros, ça la zone est fondée. Aujourd'hui, on a toujours dit, il faut chercher à réfléchir, il faut chercher à entreprendre. Je passe pas tout mon temps ici, je suis agent de l'État, professeur d'éducation physique. Quand je finis à 10h, le reste du temps, je suis ici, là, je perds mon temps. Vous savez, à chaque département, il y a des potentialités. Plus qu'on est éloigné de la ville, il faut réfléchir. Comment est-ce que tu peux faire pour avoir un petit 1000 francs, 2000 francs pour faire le contrepoids? Parce que par rapport au revenu social, les gens se disent que la Likwala c'est enclavé, on ne peut rien faire, il n'y a pas d'avantage. Mais il faut seulement essayer de réfléchir par rapport à l'environnement. On peut avoir un petit 1000 francs, 2000 francs pour compléter vos revenus mensuels. Je ne suis pas natif d'ici, je suis du département de la cuvette, mais ce sont les études qui m'ont amené ici, études secondaires et
envoyé le chèque à l'université. J'ai trouvé le local très bon. Et je suis venu pour exercer mon métier des arts plastiques ici. Et ma clientèle ici, c'est la population locale. Ils aiment beaucoup les portraits, les images, les paysages, tout. Et c'est ce que je fais ici. Mon salon est depuis 2014. Depuis la municipalisation, c'est les Obanda. Ce que moi, je veux dire, c'est que nous ville, une fondation à partir de la ville. Nous avons tout ça, nous avons donc, mon salaire est Naribosso. Dans l'association d'association d'exploitation du gravier. D'ailleurs, aussi regarde le président qui a été mis sur la montée, la 15, pour nous soutenir. Il est fort, il est en train de se faire Congo. Toujours c'est Pélango. Même les personnes sont bonnes, mais les personnes sont bonnes à partir de mon salaire. Ah, on a un gravier local, un gravier meilleur gravier. Et je suis sûr qu'il va le réaliser. Donc, d'ici, prochainement, quand vous viendrez peut-être avant la fin de l'année. Ou en début d'année prochaine, vous ne nous trouverez plus dans ce bureau, vous allez nous trouver dans un bâtiment flambant neuf. Hein, j'ai l'espoir que ça se passera comme ça. Casque t'es vraiment les adjoints j'étais thème et ali chopin à chopin et ali moussala n'a eu de salada il faut nous remonter à la c'est bon comme si elle a un casque et à moi on a un casque mais hier à zana si mazana casque t'es au combat et la chapeau 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 la Casque. C'est interdit. Sasa kumina infondo usunzi utunika ka hotel mite chez Papa Dick tout justement na boulevard okozwa hotel wana eza posé bakolala sayo bien bakou ça dit okolala sans inquiétude okolala mukana paisibilité tout bakuyamba yo tranquille. Donc, la zone est un village.
Ligue Bala. En plus, mon tenant Suazan a regardé la mité. La chambre est à relouer, on va la faire en dalle. On a monté la fin de la famille, c'est la mort. La quitte est à Pembe Zawana, à Roué, mon papa est à la Dibanda. Je suis un agent du port, je suis souverain de quai. Nous sommes dans la période de tillage. On attend que les provisions des bateaux qui viennent. Pendant cette période, c'est difficile parce qu'on peut recevoir deux fois, deux, trois, quatre bateaux. Et deux fois, les bateaux échouent. Donc, au lieu d'arriver, de faire cinq jours, ils vont même jusqu'à deux semaines, trois semaines. Il y a des bancs de sable qui sont sortis partout. Du fond jusqu'à au fleuve Gombe. Ce fleuve que vous voyez derrière moi, c'est le fleuve de la Likwala. On l'appelle souvent la Likwala aux herbes parce que généralement le sous-sol de ce département est fertile. Vous pouvez le désherber aujourd'hui. Dans deux semaines, vous revenez, les herbes se dépassent. Moi, je suis fonctionnaire de l'État congolais. J'ai été affecté ici. Je suis venu découvrir également l'arrière-pays. Et en découvrant l'arrière-pays, j'ai découvert donc, moi qui suis bantou, la cohabitation avec les autochtones. Et chemin faisant, le président de la République a initié même, a pris même une initiative louable en faisant un forum international des peuples autochtones de l'Afrique centrale pour leur prise en charge et leur prise en compte par la République. Bon, les peuples autochtones, eux de nature, ils n'arrivent pas à fréquenter les gens. Ils sont vraiment, je ne sais pas quoi dire, enfermés à eux-mêmes. Mais souvent, ils vendent des choses quand ils reviennent des champs. On part acheter chez eux. Quand on les voit, on les salue toujours pour qu'ils puissent au moins avoir de l'habitude pour nous saluer. Mais on se cohabite vraiment normalement. Est-ce que tu peux avoir un copain autochtone? Oh, moi? Pas du tout. Oh. Bien sûr, c'est une personne comme moi. Bon, sûr, il m'a pas encore dragué. Les autochtones. Donc un jour, si tu es dragué, tu passes. Ah, je sais pas encore, ça ne dépend que de Dieu. Vraiment, on a quatre quartiers, autochtones, Bali. Moi, je devine à Bango, et comment différent la Baninga ou Bana Jam. Au Bana Bissa, en tout cas, comportement la Bango est changé. Docteur Bazana Sol, il m'a dit Bana courage à Yaroluka, passe le col à Bissoté. Mais, Bana Sony, maintenant, il va y avoir un jeu. Comme Bango Bazana courage, parce que notre dragué, passe la Bango à vos top tons, mais comme il y a mi belle à vos top tons, Marocco, Bazana courage à votre dragué, pensez à Bazo Cocaté, à bon tout et Bazo Cocaté. Oh, nga anti manga tena boya nanga. Aboya luka nga pe makango te banda deni. Bibela bantu. La porte à chaque jour, c'est du saut. On a la petite sœur Nabiso. On a comme au mingue, c'est salamine et n'a pas qu'un fond. Parce que le président Fassou de Soraya qui a à l'obi en mou à l'obi et à la peuple totone et à la bantou. Tous à la moto et moko, tous à la moto moko. Peuple toton à coco les cabali, moi ça bantou. Parce que nous sommes bantou, babali, c'est biso biso. Aucun jamais n'a tobali à ta moi c'est à bantou terre. Bantou, nous sommes bantou, c'est biso. Toujours recevoir bantou. Mais quand vous êtes toujours recevoir bantou, mais de l'écoma si qu'on parle n'a biso. Ce qui t'ont créé leur motif, moko awa ou d'abord. Tassika si qu'on les l'a. Son ou n'a tam, n'a tam, on a l'ouli, moi la masse, moko mi balé kaka awa. Ou n'a l'ouli. Na lui pardon petit au coco tellement na la mo di solo no boy na lo ba no na to solo la ta mo ke mo sina mo bali est-ce que bon à coco tellement à coco ni mon hôtel mais les lo ta mo na na to coco ke de mo ke ke pa na poser mo question na nga na poser question na nga ke na na besoin mo ke to sa la mo to ta mo la na na mo sina mo bali na mo tema na ko na le mo a poser question mo tema na mo ko e kangi point na ta mo na poser na e et quand il peut la sima a ronde à ketina le pangonae à quoi présente tout papa nae
Péji Tonga, la voix d'or, Dondongo la coquette, du Kuala en général. Nzembo Oyo, Nazo Yembe la Bino, et Zanzembo, il y a un peuple autochtone. Donc, il y a une histoire, moko, et les kaki namboka, balani bosso, peuple autochtone, amonake, bantu, abalin de kunabango. Angwana, bayemba kinzembo ou. Masalonga la milo lo ba e e. Oye, oye. Masalonga la milo e lo ba e. Oye, oye. Masalonga la milo lo ba e. Oye, oye. Chiralonga la milo e lo ba e. Oye. Oye, masalonga la milo lo bae. Oye, oye, masalonga la milo lo bae. Oye, oye, chiralonga la milo lo bae. Oye, oye, masalonga la milo lo bae. Oye, oye. Didier Pendor nous a mis animation toujours na rata masolo na kata télé Congo quoi. Donc télé Congo, télé ba télé. Donc la mère de chaîne télé Congo. Donc Didier Pendor la zone Zemba. Il se souvient la bototoni. La zone Zemba, il se souvient la bonté. Je veux dire bolingo les kinyoso. Bolingo y amour. Oui, a machine mobile qui pas en bango ti. Toujours na rata masolo. Oui, Adam na va batika. Yoga. Bolingwe le kinyoso mwana mama. Bolingwe le kinyoso mwana mama. Bototana bontu babalani. Mwasina mobali mama.
Bondu ya bali yo toto na mwasi, boyo nzambe makambo. O toto na mwasi ya bali, boyo nzambe makambo. Ah, na lila na nzembenga, na tunaga na nyenga, na tele kongo na bwaka lisusi, na lila na nzambenga. Voilà, c'est que vous. Nazaki comme moi émission à télé comme on a lutté na mona que émission yango vraiment et ça qui a plaisir yango na na Luka qui adresse na bango na ite na quartier mi voilà côté la bango et puis yango la bakomi ko zanga donc wa kondi va soutenir nini émission qui makasi et ça qui toko. Je suis Mbondo, mon père est Mbondo et ma mère aussi. Ma mère Bobita. Papa Long, bonjour. Je ne connais pas Parlon. Pourquoi? C'est la faute à nos parents parce qu'ils ne nous ont pas montré leur langue, notre langue. J'entends seulement, mais je ne parle pas. C'est bon, tout est bon. Au fond, on mange bien. Il y a beaucoup de poissons, des bananes. Oh, la vie est belle, au fond. Et à Mbote, n'a pas de mboka. Mais ça, tu as vu mboka. Faut que maman et papa. Bah, qui s'en sont zingate. Donc, même Mbote, n'a pas de mboka. Je n'ai pas de papa. Faut que maman et 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 papa. Après, tu as vu un zingate. Entre Tongo, la PSOP, c'est moi. Moi, je suis un calculé qui est ce qui est défaut. Parce que année sur Bétango, il y a des mathématiques au bureau. Donc, je suis Béta. Ce que je suis sur les mathématiques, c'est au jeu. Télé Congo Magazine, j'ai suivi ça à la télé. Une fois, c'était dans le sud. Et aujourd'hui, arrivé à Ifondo, ça permet pour nous de découvrir les localités du pays, connaître le mode de vie, connaître un peu l'évolution dans la nation, quoi. Ce que le pays est en train de faire, le chef de l'État, le gouvernement, avec les dirigeants. Donc, ça permet de connaître des coins et des recoins où les travaux se font. Même si quelqu'un n'a pas été à Mindouli ou à Sibiti, mais par la télé Congo, ils connaissent déjà les quartiers, ils connaissent déjà la vie, le monde, comment les gens vivent par télé Congo. C'est rapprocher les Congolais. Bétani tu kubi kuku batalu sonso. Kukwa tuena, nuana kwa tutakwe nuana kume, beno tizunu kwa kubarazabile, beto kukwa tuzuna kwa kwena. Sino ona kasa mukani, kunu kwa yaloba. Le grand ouvrier, Azaliawa, et Aloba, ma matérielle, nous sommes tous. Ce qui est gouvernement, quand il y a un peu de temps, quand il y a un peu de temps, il y a un immeuble, il y a un affaire, il y a un affaire. Comme un bon goût, il y a un peu de temps. Pourquoi il y a un peu de temps? Bon, vraiment, il y a les singots trop parce que Radio, avec Télé Congo, a découvert un département là, l'Iquala. Et bien, je suis un gars, il y a eu pour être soiré. Je suis très content pour que, à travers les médias, je me tende à l'inga, puis je suis un gars aussi, parfois, moi, je suis un gars, 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 je suis